Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode d'Eastshade. Alors je suis retourné voir donc la vieille sorcière. Oui, on va aller, ok, je vous aiderai. Have you collected any invasive... Oui, les voilà, j'en ai plein. Simply beautiful. Oh, I do apologize for all the trouble I gave you, traveler. Anytime you want to make Eastshade more beautiful, do bring back more weeds. I'll compensate you handsomely. Ah, donc je peux te vendre des herbes? Attends. Do you have any weeds for Attends, me, on traveler? A un deal? Mais bien sûr. Oui. Donc, une, c'est trois. Oh. Oh oui. Tiens. Ouais, je vais en garder 5, ça me suffira. Ah, 140 balles. Vous sentiez que c'était rentable de faire son crevard et de ramasser tous les plantes. Ah. C'est tellement bien. Je me sens un peu plus fortuné. Hein. Un pas plus fortuné. C'était bien. Je suis content. Ok. Bon, par contre, il n'y a plus rien à ramasser dans le coin actuellement. Mais c'est pas grave, on en retrouvera. Ça pousse comme du chien dent. Elles sont faciles à repérer en plus parce qu'elles sont rouges. Donc, ça, c'est plutôt cool. On est plutôt bien là-dessus. Du coup, on a largement assez de sous pour retourner en ville acheter du petit poisson. Puisque je vous rappelle que notre intérêt là, c'est d'essayer d'acheter des petits poissons pour essayer de pêcher l'autre neuneu là, j'ai pas son nom. Mais l'autre neuneu de poisson, le vieux grognon. Ah, c'est quoi ça, c'est un coin de cascade à la noix. Sans source d'eau chaude. Voilà. Bah voilà, ça c'est une belle mentalité ça, bravo. Mais, on va quand même pouvoir faire quelque chose d'intéressant, on va pouvoir... Attendez, j'essaie de repérer s'il n'y a pas une mauvaise herbe ou deux là. Une jaunisse ou une jaunasse. Ça va pas bien. Puisqu'on va pouvoir rentrer dans Nava par la petite porte, si je puis dire. Ah bah tiens, si ça s'en est. Merci. Rentrons donc à Nava par la petite porte. Ah oui, j'ai oublié, mince. J'ai repris l'enregistrement tout de suite en fait. Tout de suite après être revenu. J'ai oublié de d'aller voir notre ami le musicien un maximum pour profiter de ce du bonus de inspiration, si je puis dire. C'est un peu une erreur. Il y a des cajots, je viens de voir des cagettes. Vite la cagette! Ah non, j'ai cru que c'était des cagettes. Bon bah tant pis pour jeu. Certains diraient même tant pis pour moi, mais bon. Je me contenterai de dire tant pis pour jeu. Howdy! Pouf. Ouais, travaille. Say, I really appreciate the work you've been doing around here. Howdy! D'ailleurs, j'aimerais voir choix d'un sujet. Ok. Fantastic. Mais non. I'll show you what needs to be done. It's not too complicated. Bon, là, faut plus que je bosse. Sinon, j'aurais plus assez pour servir une toile. Je peux déjà ramener. We've got a choix d'un sujet. Alors, j'en profite aussi pour voir si je peux parler de la fameuse montgolfière. Gens ou pas, ça pas l'air d'être trop le cas pour l'instant. Ok. Bon, pour bien faire, on pourrait se faire 7 jours là un peu, hein, parce que j'avoue, on se fait ça encore de nuit. Trop chaud. Il est trop chaud ce mec. On ne voit pas du coup, on ne perçoit pas. Salut jeune homme. Ouais, il est l'heure du matin. Allons vers 6h30, c'est très bien 6h30. Donc ouais, on a quelques tableaux à rendre.
Et oui, il faut que j'aille voir Nounoursman, Kai, Kai, Kael, machin, là, les gens qui veulent 600 lumigemmes, là. Que je pourrais obtenir d'ailleurs en arrachant des herbes. Ça a l'air d'être le deal, hein. J'annonce, hein. Ah ouais, les flaques d'eau sont quand même bien plus belles quand je suis en high test, hein, quand même. Ouais, bah, les reflets sont complètement là et tout. Et on peut acheter notre vélo. Donc on va aller acheter notre vélo tout de suite. Je vais voir comment ça se passe. Pouette, pouette. Je vais pas vous parler, bravo. Allez, écoute, la flûte, c'est très bien. Acheter la bus. Alors. Hyper vitesse! Ah, c'est trop rigolo. Ouais, hyper vitesse! Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Très cool. Hyper vitesse! Allez, j'ai besoin de descendre, merci. What? Consulter des marchandises. J'aimerais t'acheter un. Trois poissons. On va voir la bonne journée. Oula, 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 oula. Grimper à bord. Hyper vitesse! Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Prends des commandes. J'ai la tour solitaire à te remettre. Et le petit pont de pierre. Beautiful. Alors ouais, en fait, c'est absolument pas rentable du tout de faire ça. Hein. J'étais en train d'y penser. Un moulin à vent. Les ruines de Riftland. Ouais, mais j'ai pas accès à cette zone en fait. Je pense que les autres trucs c'est pour cette zone. Et que attends. Du coup, je peux peut-être les prendre et je les peindrai quand j'y serai, genre. Bon, je dis qu'on fait ça. Voilà. J'ai pris les 4 contrats, je monte à bord. Ok. Allons voir donc Kai. Kai, hein. Le gars de la petite Kai, comme on l'appelle dans le milieu. Et il faut que je fasse cette quête du poisson, hein, du vieux brogeon. Voilà, on va tellement vite, quoi. Que ça a planté. Non, ça... Ok, go. Okay. Je sais plus c'est quoi ça. Je suis d'accord. D'accord. Hein. On avance quand même agréablement plus vite, hein. Oh, c'est cool, hein. Ah, attention, je viens de voir de l'argent. Juste là. Ça, c'est de l'argent. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est du pognon. Avec mon petit vélo. Là, j'aurais pu peindre aussi ce petit pont de pierre là. Très joli aussi à peindre. Oui, non, il est encore plus loin. Hein. Je passe à côté! Je suis un dingue! Je suis du tout-terrain, moi! Oh, c'est cool, hein, le vélo. Hein. Le vélo, c'est super cool. Oui, si, je crois qu'il faut manger là. Comme un vieux sac. Ou peut-être pas comme un vieux sac. C'était plus loin. C'était pas tout de suite comme un vieux sac. Parce que là c'est un peu beaucoup comme un vieux sac. Hein. J'ai cru voir un truc qui était ramassable. Going too fast. Allez. Au moins que le vélo, il en prend mais plein sa face. Hein.
Hop là. Hop là. Il fait tout terrain. Tout terrain, tout terrain. Tout terrain. Quoi? Ouais d'accord. Vous pouvez pas aller genre au bord de l'eau, du coup ça buguait un peu. C'était rigolo. Et les petits boys sont. Je pourrais tenter de pêcher un truc ici. Attendez, je vais tester. Je vais tester un truc. Paf, canne à pêche. Ouais, c'est ça, maintenant j'ai 3 poissons. Je vais prendre juste un œuf. Quoi? Ah, je l'ai remonté trop vite parce que pour le coup, ils ont sauté dessus, quoi. Et remonte à Vendée, Biou, là. Mais oui, mais c'est trop yimbe. D'accord. Oui, c'est trop yimbe. C'est trop yimbe, j'ai trouvé. Donc eux, ça mange du poisson, de l'œuf pourri. Hein. Les pauvres poissons, vu comment ils sautent dessus, j'ai l'impression qu'ils crèvent la faim. Hop là. Eh, il y a quand même un... Là, je suis en train de voir, parce que je m'amuse en même temps, mais la ligne, elle devient jaune. Quand je commence à le grab, regardez. Hop, 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 plus ça tire dessus. Voilà. J'aimerais voir d'ailleurs si du coup, il y a un effet de je peux dérouler. Et si je fais clic droit, en fait, ça me fait marcher. Très étrange. Bref, c'était rigolo. Mon vélo. Mon ami le tout-terrain. Going too fast. Fast, toujours plus fast. Oh. Ok, très bien. C'est toi, Kay, hein, normalement. You spoke to Annika already? What did she say? Vous avez utilisé une plante en voie de disparition? How did you know? You told her it was me asking? Elle a deviné toute seule. But what do you mean, endangered plant? Oh, is that why people stopped coming around? But why would anyone believe I used something that's protected? I mean, I like plants as much as the next shade folk, but I'd never touch a protected plant, I swear. Annika parlait d'une potion appelée Hydra Charbon. What? My Hydra Thistle. Huh. That I think about it, I guess I could see why people got that idea, but oh, criminy! Why didn't anyone just ask me about it? This is why we've been broke all these years! N'ai pas utilisé cette plante? No, of course not. Far too risky to use those protected bits of foliage. That's a game I don't mess around with. Look, you haven't seen the best of us, but we've got a lot to offer if we just had a chance. Can you help us? Oui, vas-y. D'accord, mais comment? Here's my Hydra Thistle. Find someone to test it, like a scientist. Help me prove I didn't use any protected plants. Nava will certainly have someone who can figure that out. Check the offices on the third floor of the common quarter. Oui, bon, je sais très exactement à qui je vais l'amener. Je prends la potion. Please hurry. Très bien. We can't survive much longer without any customers. Ok, ok. Il te faut des customiers. Il te faut des gens customisés, quoi. C'est parti. J'adore l'anglais. J'adore une langue de feignant. C'est vraiment... Je pense que c'est vraiment une langue... Ouais, c'est vraiment une langue anglo-saxonne, l'anglais. Hein. Vraiment, voilà. Alors, je pense qu'on serait d'accord avec ma critique. Hein. C'est vraiment... Certains n'appellent pas ça une critique. Ils diraient juste un état de fait. Mais c'est des gens médisants, je pense, avant tout.
pas au bon endroit là. On arrive en bord de flotte. Ah, la prochaine région, on va vraiment être obligé d'y accéder en barque. Hein. Ou en montgolfière. Ce qui sera terrible. Voilà. Oula, ça charge. Charge un max. Ok. Par contre, faut qu'on discute du mec qui a pavé cette voie. Hein. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est urgent. Yo gros, fallait que je te parle. Ça roule ma poule? Heidi ho! The great traveler returns! Yes. Were you able to get some repellent? Ah, n'est pas trop dur, oh, oui. Special. Ah non! See you soon. Mais non, fais pas ça, Jack! Oh, au secours. Dites-moi que l'auto... Oui. Dites-moi que l'auto-save, elle était pas trop loin. Ah mais non, parce qu'en fait, dans tous les cas, tu peux pas les faire... non, attendez, j'ai oublié d'aller voir. Non, c'est dommage, en fait, t'es obligé de lui dire soit il en avait pas, soit en fait, j'ai entendu un truc louche sur lui, alors que ce qui m'intéresse, c'est d'abord mener cette enquête jusqu'au bout. Mais je voulais voir si lui, il allait me proposer d'autres solutions, d'autres trucs, d'autres machins. Je sais pas, je t'ai parlé ou pas. Ah oui, d'accord, ok, ça a sauvegardé là, parfait. Oui, grit the business, le business grit again, ouais. Ouais, on va faire ça. Going fast, too fast, ah ouais, bah alors là, le PC au bout de sa vie, nice. Hop, le jeu en PLS, le jeu sans SMS, tout ça quoi. Voilà, on coupe à travers Mère Nature, hop hop hop. Normalement, on va dans la bonne direction. Nice, je suis dans la bonne direction. Oula, oula, oui, c'est Nava, ça charge. Hein. Charge un petit peu à Nava. Hein. Visiblement, charge un peu. Oh, going too fast. Hein. Et là, on tombe. Heureusement, on peut pas. Le drama et ta vie d'aventurier s'arrête là. Faut dire ce grand pont est un peu dangereux. Là, je veux dire qu'on est dans un jeu fantasy, c'est bien, mais je veux dire, un grand pont comme ça suspendu un petit peu en hauteur, un gros coup de vent et merci d'avoir joué quoi. Voilà, c'est un peu triste comme choix. Ah, il fallait que je retourne voir aussi la vieille à Lido là pour avoir balancé le père, je crois, ou un truc comme ça. Normalement, elle doit donner l'autre moitié de ma récompense. Mais la racaille que je joue! Regardez-moi cette racaille en vélo dans les bibliothèques municipales! Zblu dans l'université! Petit dérapage comme ça en haut alors qu'il n'y a pas de rambarde de sécu ni rien! Trop dangereux quoi! Mais trop une racaille! Hein? Yo. It's going to be another late night, that's for sure. Pourriez-vous tester la potion de Kai pour moi, s'il vous plaît? You want me to check for trace elements of endangered plants? I enjoy running tests. Just give me the potion in a few minutes. Ok. Seems you're in luck. No trace of any endangered or illegal substances in here. Here's the full report. Come back if you have anything else for me to test. A fine day for science. How's the hot spring sample collecting going? Bah, je travaille toujours là-dessus. J'ai des sujets un peu... Je travaille toujours là-dessus. Et le problème, c'est que je peux pas travailler dessus éternellement, parce qu'il n'y a pas d'autres ressources dans le coin. Donc, si je veux avancer, il faut impérativement que bah, je boucle des quêtes qui sont... Oula, qui sont bouclables. Il y a le truc des racines et tout ça, mais j'ai pas trouvé le médaillon du gars, mais je peux toujours tenter de retrouver son médaillon au type de chez Racine, hein, du Racine Club. Donc ça c'est fait. Eh bien allons voir Kai, qu'est-ce qu'on s'embête, pourquoi je descends tout ça à pied alors qu'on a notre super vélo?
Ouais, on grimpe à bord, vas-y. Vas-y, going fast. On roule sur les bancs et tout, dans les plantes, on s'en fiche, on est des racailles, nous. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Hop, on passe à travers les gens. Je suis sûr qu'on peut passer à travers les gens. Non. Mais on rentre dans les gens, hein. Vélo, hein. Les gens, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Voilà, un petit mélange entre on s'en fiche ou on s'en fout. On s'en fit. C'est du fitness, c'est bon pour ce que vous avez. Voilà. Faites du vélo. Et arrêtez de jouer aux jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, ça rend violent, surtout les meuporgs. C'est ce qui paraît, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je sais pas. Je suis pas au courant. Ok. Et puis il y a son Renardo à l'autre là aussi, mais. Où est-ce qu'on trouve son Renardo? Tu m'as parlé d'un Renardo, je l'ai jamais trouvé quoi. Hein. Ouais, je m'y intéresse quand même. Non, là il faut que je longe là. Oh, doucement là. Going too fast. Et on y est. Yo mec, j'ai une bonne nouvelle. Oula. Please tell me you had that Hydra thistle tested. Galen's been talking about packing her bags. Heck, she may have packed a few already. She's been so upset. Dunno where she thinks we'd even go with no glowstones to our name. Surtout vu le prix du pont, mon gars, si tu veux t'arracher, t'as l'air d'avoir des thunes, hein. Zara l'a testé, voici son rapport. Oh, for the great shade! Next time tell a man all's well. Don't just hand over a report. Oh, you made my heart right jump out of my skin. But thank you. Thank you. I have to tell Kaylin the good news. And the paper! Great gods, the paper! Oh, I need to let all of Eastshade know that I'm someone to be trusted. Thank you. Ok. Mais sinon je peux no l'acheter. Customs mon... yet, but with any hope that'll change soon. D'accord. Mais pour mon... Parce que moi j'ai besoin de... De dératiser là, hein. I'm sorry. Just not feeling like myself at the moment. I mean, what kind of people are we? What have we become? Oh, what a lovely woman. Don't listen to what my husband says about her. I haven't made it to Southland in some time. How is Annika doing? Glad to hear it. And does she seem in need of any tinctures or potions? Sorry, this is not the time. Was she able to offer us anything? Non, désolé. Ça sert à rien que je lui parle de ce truc là. I'm sorry. I'm just not feeling like myself at the moment. You're right. We made our beds, full of lice and thorns, I suppose. Now to sleep in them. We'll need to make this up to Finn somehow. J'ai blanchi le nom de votre... Oh, thank the great shade. Kai will be thrilled to hear it. Surely this will turn things around for the business. Et là, tu vas pas me dire que t'as gardé la ligne de texte de... Sorry. I'm just not feeling like myself at the moment. I mean, what kind of people are we? What have we become? Oh, what a lovely woman. Don't listen to what my husband... One of Kai... No, he wouldn't. For good grief, those days are long behind him. J'ai quoi en quête? Ça sera tellement plus simple que... Voilà. Seconde chance. Kai va transmettre au journal. Hein, ça devrait sauver sa boutique. Il va avoir vu, faut que j'attende. Le cœur de la nuit. Rania a entendu des tambours en pleine nuit dans les bois fardés. Je devrais peut-être enquêter. Ah oui. Apparemment, j'ai appris ceci à propos de problèmes. Alors, puis, ce ne serait pas d'une grande utilité, apparemment. Je retourne voir Finn. Ah,
Donc en fait, il y a toujours l'histoire du film. Je vais attendre que ça s'écoule. Il a l'air d'être. Non, là, il doit être 11h. Là. C'est l'heure de. Ah, bah, bah. Oh là là. La direction du Vélal, hein, c'est pas ça. Oh là là, un Vélal des vélos, hein, bien sûr, évidemment. Vive la France. Vive la France. Donc, ok. Comme on a des racines, hein, je veux pas être le mec, mais bon, après, s'il y a un mec un jour qui veut m'acheter des racines, il est vrai que d'en collectionner des centaines de milliers, comme ceux qui vous achètent des mauvaises herbes rougeâtres, c'est toujours, voilà, c'est toujours une grande idée d'en avoir un stock inépuisable, si je puis dire. Que j'arriverai tout de même à épuiser à la revente. Parce que je suis un mec comme ça. Check vite fait de l'œil voir si. Il y a des plantes rouges là-haut. Hein. Moi j'aime les plantes rouges, j'aime l'argent. Femme vénale, artiste corrompu et drogué, la totale quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi cette source de pognon là. Voilà, ça s'appelle de l'argent. Voilà. Ça s'appelle une récolte illégale. Mais écoutez, bon, ça va, ça suffit quoi. Si je les cueille pas. Personne ne va les cueillir, donc du coup c'est un peu triste. Voilà. Je pense qu'il faut les détruire avant tout. C'est le capitalisme hein, qui régit notre monde, ne l'oublions pas. Hein. Le capitalisme, lui, il détruit. Putain, mais en fait, si tu pompes ton vélo au milieu de nulle part, t'es vraiment coincé quoi. C'est vraiment. Ok, je grimpe à bord. Voilà. Là. J'aime pas trop les virages le vélo là. Terrain quoi. Us. Plante rouge aux alentours. En général, ça traîne autour. Hein. Ah, je vais me trouver des moyens de me faire de l'argent facilement. Quand même extrêmement agréable. Ah, il est midi en fait. Ouais, bon, de toute façon, moi, il faut que j'y aille la nuit, hein, donc. Ouais, prenons genre un petit 23h30, vas-y, très bien. Un petit 23h30, c'est bien. Je pense qu'on peut se terminer là-dessus parce que moi, je vais aller me faire une session musicos hein, pour remonter ma jauge de motivation parce que je l'ai bien défoncé. Je peux peindre une toile et après c'est fini. Hein, je pleure rien, je suis à sec. Je suis un artiste à sec, donc j'aimerais qu'on ait le même jeu, mais en moins poétique. C'est-à-dire vraiment un artiste qui veut rien branler, qui vole des trucs aux gens, qui doit prendre de la drogue pour être motivé, qui traîne qu'avec des gens chelous un peu, tu vois. Le même jeu, mais au lieu d'être en rêve et en détendu, en underground bien tâche, quoi. Bien dégueulasse. Avec une bonne petite fin à la Requiem for a Dream, tu vois, parfait. Parfait. Nickel. Bon, par contre, le jeu charge, s'il te plaît, fais semblant au moins. Fais semblant, s'il te plaît. Ok. Pouf. Ah, j'ai ouvert la porte d'à côté. Gros style, gros style. C'est là où on a notre cartographe. Que la cartographie, c'est fantastique. Mon vélo. Mon vélo. Going too fast. Too fast and too furious. Et voilà, je vais prendre un petit bâton de bois. Ou un petit bois de bâton. Going too fast. Et moi je prends un petit bout de bois et un petit bout de bateau. Going too fast. Donc, du côté de la ferme, ils m'ont dit qu'ils entendaient du zouk la nuit. On va y aller.
va aller voir ça décale Guada, tout ça quoi. Donc c'est une spécialité nocturne de trouver des bouts de bois. Bon mais ça m'a l'air. Ah, t'es dans un mur. Formidable. Ça c'est les petites souris, c'est les cœurs de la nuit, hein, entendu des tambours en pleine nuit dans les bois fardés, je devrais peut-être enquêter. Ok, d'accord, on est en pleine nuit. Hein. Genre là, là il est minuit les enfants. Je veux bien entendre de la musique dans leurs bois fardés de leur mort là. Ah, c'est plus là, ok, d'accord. Les bois fardés, c'est ok. Donc j'y suis pas. J'y suis pas. Faut pédaler. Faut pédaler. Allez, going too fast. Voilà, dans les arbres roses. Vers les arbres roses. Je peux ramasser des trucs quand on est en vélo? Ah non, faut que je remonte dessus, ok. Ok, faut que je m'arrête, faut que je prenne tout ça. Hein. Tout ça c'est de l'argent. Et je sais pas combien va me coûter de milliards de dollars de passer à la prochaine zone. Tu vois de côté. Ah, toujours mon feu de camp là-bas, c'est mignon. Bah on dirait que les feux de camp ils sont permanents, genre à partir du moment que t'en as posé un, il y en aura toujours un. Intéressant d'en mettre un peu à gauche à droite. Ah, c'est par là. Ah les cailloux. Les cailloux mes mortels ennemis. Un son, hein. Bon, là on y est. Hein. Flagrant délit. Des traits en flagrant délit, arrêtez. Oh. C'est rigolo ça. C'est quoi?
C'est quoi ces conneries? Quart de la nuit, je suis tombé sur un spectacle assez curieux au bois fardé, un groupe de percussionnistes en pleine nuit. Ils se sont enfuis par un arbre porte en me voyant. Un arbre porte? J'en parlais à Ryan. D'accord, mais je peux quand même piquer ça là. Rania, qui du coup normalement n'habite pas très loin en fait. Si je longe ici, en fait, j'arrive chez toi normalement. Sauf erreur de ma part. Map, je suis perdu. Ça, c'est l'apothicaire. Et non, ils sont plus par là. Porte de. Oui. Pourquoi la ferme, elle est pas indiquée? Mais t'as un zoo, t'es mort aussi. Pourquoi la ferme, elle est pas indiquée? Là, intersection. Première à droite. Bout de bois. Putain, c'est la teuf du bout de bois, hein, la nuit. Hein. Alors. Est-ce que j'ai un feu de camp en avance? Non. Non, pas du tout. Allez. Moi, je propose un petit feu de camp de là. Gros style. Voilà. On se fait voilà un truc comme ça, là. Compte-moi. Un mélange mystère. Oh, je veux prendre le mélange mystère. Je peux consommer le mélange mystère. Ah, ça m'a ajouté un petit peu d'inspiration, le mélange mystère. Un mélange lidovien. Un mélange mystère, s'il vous plaît. Je sais pas, mais ça a l'air cool. Et en tout cas, on y voit quelque chose. Oula, oula. C'est peut-être à gauche. Je ne sais plus. Oui, c'est à gauche, c'est à côté de... ce lac de Sébor. Oh, mais la quantité de bouts de bois. Mais je suis une femme en bois, ça se passe comment? Bâton. Petit bâton de berger, là, j'en ai combien? Ouais, 24, ouais, c'est ça, hein, je peux arrêter d'en ramasser, là. Ouais, vous me direz, arrêtez d'en ramasser, non, parce que le moindre mec qui vous en demande 7 ou 10 d'un coup, bon, bah voilà, vous avez l'air un peu couillon. Et puis ça me permettra... Oh. Est-ce que justement je peux en crafter un là, par exemple? Ah, oh, je peux pas le mettre là. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Ah si, ça y est, c'est bon, ça a été débloqué. Gros style ou pas? Allez, conte folklorique ombragien version 2. Un des hiboux et un des ours se sont un jour rendus sur le rivage afin de voir qui des deux parviendrait à attraper le plus gros des poissons. Celui des ours gronda et les poissons effrayés se serrèrent les uns contre les autres, ce qui lui permit de les attraper facilement. Celui des hiboux battit des ailes et fondit sur les poissons depuis le ciel, ne leur laissant ainsi aucune chance de s'enfuir. La compétition se poursuit ainsi jusqu'à minuit, et que tous, jusqu'au dernier, des poissons de l'océan aient été attrapés. Celui des ours, certain d'avoir attrapé le plus gros des poissons, était très fatigué, et il se roula rapidement en boule, pour prendre un long repos. Celui des hiboux s'envola vers son lit pour y faire une sieste, tout autant persuadé d'avoir remporté le concours. Pour leur part, les poissons continuaient de nager dans leur nasse, et ils n'avaient pas l'intention de se laisser dévorer. Ils poussèrent et cognèrent sur les parois jusqu'à ce que les nasses se mettent à dévaler la colline, avant de tomber dans l'eau dans un grand plouf. Mais lorsque les nasses s'ouvrirent, l'eau que les poissons se mirent à respirer n'était pas du tout salée. Ils n'étaient pas tombés dans la mer, mais dans un lac, et ils se réjouirent en y constatant l'absence de vagues. Les poissons s'installèrent donc confortablement dans le lac de bois coulé et la rivière chute courant, où ils vivent encore de nos jours. Quant à celui des hiboux et à celui des ours, tous deux se sont réveillés après un long sommeil en ayant tout oublié de leur absurde concours. Très rigolo. Alors, je vous propose un autre mélange incroyable.
Une poche à flore de 1. Un autre mélange mystère. Allez. Un petit mélange mystère. Moi ça me fait plaisir. Je vous offre des mélanges mystère. Voilà. Eh, on fait du thé. Je suis inspiré quand je fais du thé. Hein. Par contre là je vois en rouge. Hein. Petite inquiétude quand même. Hein. Je pense que je suis censé voir des choses de l'espace, du temps ou des trucs, mais... Méfiance. Alors... Non, toi je te parle pas. Toi tu balayes durant la nuit, donc je pense que au mieux tu es un esclave, au pire tu es un esclave condamné à mort. Bonjour, vu que vous ne dormez pas. It's bah, moi nice aussi. To see a familiar face. We don't get too many visitors out here. Oui, je me doute. J'ai vu les tambours. What? Really? A tree door? Let's go see it. Bah allons-y. ATP. Ah d'accord. Oui, personnage qui bouge pas évidemment. You're sure it was here? Ah, well, ils étaient juste they ici. Seem to have left no trace. And the door and the tree? I believe you. I've been hearing those drums for too long. Something mysterious is afoot. Whatever they're doing, it's clear they don't wish to be discovered. I think you should ask around in Narva. Maybe there's someone who knows more about these Blushwood night drummers. All this investigating has made me thirsty. I think it's quite time for a Lindauian brew. Let me know if you find out more. Come on by any time. D'accord. Donc la quête nous renvoie à Narva. Encore. Tout nous renvoie à Narva, décidément. Donc le cœur de la nuit. Trouver aucune trace de. Quelqu'un en avant saura peut-être un peu plus à propos de ces mystérieux tambours de la nuit de Boisfardé. Je devrais interroger les gens. Complètement. Allons-y, hein. On va faire notre dernier crochet là-bas, hein, puis après on va mettre fin à l'épisode. Je pense qu'on n'a pas trop mal bossé. Ah, mon feu de camp. Garder ce phare dans la nuit qui nous guide et qui nous dit prends au milieu. Ne tourne même pas en fait. Tu vas genre tout droit avec ton vélal et ça ira. Voilà. C'est ce qu'il vient de nous dire. Voilà, là il nous dit deuxième feu. Tu continues toujours tout droit. Voilà, très bien. Hein, j'écoute mes feux de camp. Hein. Mes feux de camp ils me disent roule tout droit. Je vais tout droit. Hein. Ah, obligé de tourner. Ok, voilà, petit cabanon. Voilà, vous voyez ce rocher qui m'a empêché de tourner tout à l'heure. Bah voilà, à cause de lui, on a raté le pont. Sinon, on allait parfaitement tout droit. L'enfant qui maîtrise tout ce qu'il fait. Ouais, voilà, mais tout ce qu'il fait, hein. Ça, c'était prévu en fait. Hein. C'est pour ça, c'est pour donner toujours un peu de suspense, quoi. C'est bien le suspens. Ah, et puis à la fin de cet épisode, il va falloir que j'aille écouter notre ami le hibou jouer de la musique. Ça, je vais pouvoir farmer un peu d'inspi. Inspiration. Bon, bah, les gens, hein, c'est tous les gens. Allez, on va laisser peser. On va commencer à interroger tout le monde et n'importe qui. Allez, toi, t'es tout le monde et n'importe qui. Ok, cool, t'as rien à dire. Oui, tu n'as rien à dire, vous êtes des clodos de l'espace. Je pourrais aller faire semblant d'aller demander au mec de la taverne. On va le voir aussi, après tout, hein, il fait partie du schmilblick de la ville. Hein. T'as des choses à raconter? Welcome. Au revoir. On va faire une petite sieste vite fait, on va profiter du jour. Allez. J'aurais dû faire une petite sauvegarde avant. J'aurais dû. Le jeu en fait, plus t'avances, plus il y a du mal. Ou alors c'est peut-être parce que ça fait un moment que je l'ai pas redémarré. Hein. Ça fait plusieurs heures qu'il tourne sur mon PC en boucle. Sans faire de pause. Ce qui nous confère l'avantage de il charge plus d'éléments plus longtemps. En résiduel.
Et alors du coup, on a des petites phases comme ça, pas très agréables. Et on a des grossesses de chargement en parallèle. Tout ça, super bien. Ouais, lui en haut de son auberge, de toute façon personne ne peut nous renseigner. Dans son auberge de Célor. On pourrait commencer par demander au shérif. On va commencer par ça. Et une ourson, vous avez rien à dire. I'm never gonna forget the look on his face when he ate that still taste that grape filling. Repulsive. Servait à rien. J'arrive, tu sers quelque chose. Choix d'un sujet. Au revoir, shérif. Tu sers à rien non plus. Bon, à part les gens de l'académie qui peuvent servir à quelque chose. Si, allons voir. Allons prendre le journal. What can I brew you up? Oh, you have a good day now. Oui, calme-toi. Hope you're in. Ah d'accord, donc c'est officiellement le gars ne veut plus rien me vendre. Ça y est, il m'a vendu son vélo. Come pick up the latest news here. Le thé du rêve. Ah, faut que je pense à venir chercher les gazettes. Hein. C'est quand même quelque chose. Thé du rêve de la Gazette. Donc le Shadian's Post, dites adieu au thé du rêve à Nava. Avez-vous déjà savouré un thé si relaxant que vous vous êtes senti transporté dans un autre monde? Avez-vous déjà profité d'une bonne sieste sur les flots tranquilles de la citerne souterraine? Eh bien tout ça, c'est terminé. Une mystérieuse toxine s'est propagée dans les vignes à thé qui y étaient cultivées, d'accord? Les membres des racines se sont refusés à tout commentaire. Mais les rumeurs abondent, d'autres pensent que les plantes auraient contracté une maladie suite à l'afflux de visiteurs à Eastshade, alors que d'autres soupçonnent un membre des chaises d'avoir empoisonné les plants. Nous ne connaîtrons peut-être jamais le fin mot de cette histoire, mais nos cœurs et nos esprits souffriront assurément d'une telle perte. Certains amateurs de thé relaxant seront peut-être quelque peu réconfortés d'apprendre que, à en croire les chaises, la déesse Thiem ne manquera pas de nous sourire cette année. D'accord. Did you... Oui, c'est bon. Would you like to donate a glowstone? Bien Thank sûr. You for your contribution. Yes. Je te donne ta glowstone. Et ce qui est cool, c'est que si vous êtes vraiment fauché, genre vous pouvez tout à fait ne rien lui donner au gars parce que vous avez rien. Donc très rigolo, très rigolo. C'est pas un livre, oui, tu vends d'autres livres. L'été classique, bah non, merci. Tu vends tes conneries, toi non plus, t'as Good day. Ouais. Bonne journée. Glad. Après, attention, au choix d'un sujet, hein, je peux toujours leur parler. Ouais. Good day. Sujet intéressant ou pas là donc... See you later. Je pense que ça va se passer dans la. À la tour de la bibliothèque. Je vais parler aux gens qui sont là-haut. Parce que après, si personne ne parle, personne ne nous informe. Ouais, on va commencer par la bibliothécaire qui nous raconte sa vie. Tambour nocturne. You know, it's so strange. Somebody came in just this morning and donated a book. She said to point people to it if anyone asked about night drumming, which made very little sense to me, considering this book appears to be unrelated to that. Not that I'm entirely sure what night drumming is. It was a little peculiar. Just about every sentence she said was a rhyme. Not sure if she meant to do that or if she was just doing it by accident. An interesting woman. I quite liked her. And then here you are asking about that very topic. So, are you a night drummer? Am I saying that right? Is this a new thing people are doing? Oh, I'm always so behind the times. Non, il s'agit d'une chose étrange que j'ai vue. Sounds curious indeed. Anyway, the book is called The First Folk and it's on shelf C. D'accord, étagère C. Putain. Ça c'est bête aussi, mais c'est appréciable, tu vois les mecs. Voilà, il y a étagère C. Ah, c'est ici. On va avoir notre livre. Le premier peuple. On sait peu de choses sur le premier peuple d'Eastshade. On a retrouvé des traces d'activité sur l'île remontant à plus de 600 ans.
Les ruines des falaises de Riftland doivent encore être étudiées en détail, mais il est probable que leur construction remonte à plusieurs siècles après la première colonisation de l'île. Lors de la construction de Lindow, des reliques et des gravures ont été découvertes, mais perdues peu de temps après suite à une coulée de boue catastrophique. On a longtemps cru que les premières familles ne s'étaient installées à Ishen qu'il y a environ 200 ans. Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les véritables premiers habitants d'Ishade. D'accord. Une note glissée entre les pages est tombée. Très chère voyageuse, il semble que nos tambours vous rendent curieuse. Pourtant, effrayée par votre soudaine arrivée, moi et les miens avons fui pour nous cacher. J'imagine votre surprise de nous voir dans l'obscurité, détalés à toutes jambes tels des animaux apeurés. J'espère que vous ne nous tiendrez pas rigueur, j'aurais souhaité faire preuve d'un peu plus de chaleur. Si vous pardonnez notre discrétion immense, j'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Rejoignez-moi avant l'aube au miroir de Mudwillow. J'espère pouvoir répondre à vos questions au plus tôt. D'accord. Donc, go ce TP de nuit. Alors, dis donc, épisode un peu long, mais alors, je suis désolé, l'épisode est vraiment long d'ailleurs. Enfin, il est vraiment long. Vraiment long par rapport à un format standard. Hein, par rapport à ce que je fais, on est d'accord que c'est de la piquette. Mais, ok. On peut. Ok. Un peu avant le matin, un peu avant l'aube. Donc, en gros, durant la nuit. On va se faire ça. On va se faire une petite poulet 3h du matin. Se sortir en vélo. Et être bien chaud. Wow. Pif. Paf, mon vélo. Oh, c'est chiant ça. On est à l'envers, d'accord. Okay. Voilà, on le laisse comme ça. On ouvre. On ouvre une porte. Oh, 3h du mat. Ouais, 2-3, vas-y, colle-nous 3h40, ouais, très bien. C'est parti. J'ai toujours pas fait de sauvegarde, hein. Et à chaque fois que je lance le chrono, je fais. Enfin, que je lance le temps de sauvegarde, je fais. Ah, j'ai toujours pas fait de sauvegarde. Mais avant, je tilte pas une seconde, quoi. C'est terrible. Ah, on peut continuer déjà. Parfait, rapide. C'est bien ça qui plaît. Ah, c'est parti, on pédale en pédale. On pédale. C'est parti. Oh, ça a rien chargé du tout, ah ça y est. Vous l'avez vu le chargement instantané issu de la mémoire. C'est ça, hein. C'est clairement c'est. Attendez, j'ai 1 million de données qui traînent dans la mémoire. C'est plus, je te remets ça comme ça. Il y a 1 million de trucs qui traînent quoi. Moi, je suis obligé de tout prendre. Ok. Elle est où ma vieille? Elle est là je crois. Ouais, elle est là, ce pisson.
aïe, aïe. It seems you may just be clever enough. Although I'd bet your brain is packed full of fluff itself when day turns dark, but a moment in time. Préparez vos pinceaux, c'est vrai qu'il y avait que je peigne un truc. Non mais arrête de me parler, c'est bon. Il m'a dit quoi le. Pour qu'elle ait prouvé son innocence, la boutique était longue. Encore au bord de la famille. Ah, il faut que j'aille le voir. J'ai découvert un atomine. Si je veux résoudre ce mystère, je devrais aller voir l'auteur de cette note au miroir. Ah oui, au miroir. Donc c'est un peu plus haut. Oui, c'était un peu plus haut. Blablabla. Je vois rien. Mais t'as tous les murs là. Ah, par contre, mamie, quand tu dois changer tes torches, t'en as pour un moment. Hein. Ah, tu fermeras ta porte, hein, la vieille. Hein. Pas ton monde. Hein. Bon là, on est avant le jour. Hein. Rigolo. Ah oui, bah d'accord, c'est ça le miroir. Bonjour. You got my message, and you came. Oh, it's so good to finally meet a Skyfolk. I mean. Other than Mudwillow. But I guess she's not really a Skyfolk since she does live underground. Maybe you've met her. Anyway. Please, forgive all the sneaky. I should introduce myself. I am Alejo. My people call ourselves Machra. But I believe your people might better know us as the First Folk. Pourquoi tout ce secret? Sadly, my people wouldn't exactly approve of me meeting with a Skyfolk. Please, don't take that in a bad way. As a people, most of us are just very... No, more like... I guess you could say we do not like to mingle with outsiders. But not me. For as long as I can remember, I have been fascinated by the Skyfolk. The stories, the architecture, the language. I have dedicated quite a lot of time to learning your tongue, after all. I am grateful to Mudwillow for being such a willing teacher. And the variety. Is it true that there are bear folk? Bien sûr. Do they have temper, like a bear? Non, ils sont gentils. More lies my people tell themselves. I see. Ah, I have so many questions for you. I hope it's not too bad to ask, but is it true that your people are removing the eyes of the firstborn? Huh? C'est fou. Aha! I knew it! I wonder what other lies my people are making up about the Skyfolk. And what is your trade? Je suis peintre. Wow, that's very good. My sister is an artist too. She's an etcher. Carves designs into the walls and such things. Well, I should probably leave here. Someone will notice I'm gone if I'm out for much longer. Ooh, tell me, do you think you could make me a painting of the big city? Mudwillow told me about it, but I want to see it. That would be incredible. I don't have much to give you, though. We could meet here again, same time tomorrow night. Je vous ferai ça. That would be incredible. Paint it from afar, yes? I want to see the skyline. To be honest, I like to be beneath the sky and stars. I think we all do. That's why every so often, some of us come up here to make music. Ah, to feel the rhythm of music under the stars. Most feel it's worth the risk of being heard. I think I'm going to make a habit of coming up here every night. I hope to see you soon. It was a pleasure speaking with you. Eh ben pour écoute moi aussi mon petit gars, c'est partagé mon gars sûr. Hein. Là il faudrait que je dise fin de l'épisode, mais j'ai dit qu'on finirait cette quête. Pou de bois. Fin de l'épisode hein les gars. Je vous dis à la prochaine, c'était Knarfank sur comme d'habitude gaming pour eShade et à plus. Ciao.